On traite les deux, ouais. Un pont. Ouais. Non. Je t'écoute. La vie. Vas-y. Bah on a bossé à McDo ensemble quand on était plus jeunes. Oui. Voilà, on a travaillé à McDonald's. Et, oui. Ok. Non, moi je t'ai attendu longtemps. Ouais, elle m'a attendu longtemps. Bonjour! Hi, comment allez-vous? Wild Dance TV! 皆様いかがお過ごしでしょうか。今こちら中心のパレロワイヤル公園に来てるんですけども、今日ですね新コーナー始めていきたいと思います。それはこちら、パリのカップルにインタビューしてみた。公園でもね、電車の中でも、家でも、どこでもね、フランス人愛を育みます。日本よりもね激しく人目の見えるところでね愛を育んでるわけなんですけども、初対面で僕がインタビューして、お互い彼氏彼女のいいところ、お互い言い合えるのかっていうところをね、ちょっとプライベートなところに突っ込んでいきたいと思います。早速じゃあインタビュー行っていきたいと思います。レッツゴー。Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. C'est d'être connu en France comme ça? Ouais, c'est pour les enfants. Ah non, bah c'est bien. On est des grands enfants. Ok. Est-ce que vous êtes couple ou amis? On est un couple. Un couple? Ah ouais. Super. Vous êtes couple depuis combien d'années? Alors, on se connaît depuis 2 ans, mais on est en couple depuis presque un an. Ouais. Ah, ok. Quand je viens en France, beaucoup de couples étaient contactés à la PAC, le métro et tout. Et je sens que à Parisien, c'est vraiment français. C'est vraiment le pays d'amour. Oui. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ok. Là, je vais dans quelques jours. Il va partir au Japon. Ah, après? Ouais, après là. Ah d'accord. Après demain, il part au Japon. Ok. Ah, c'est triste. Ouais. Après, il va venir. Je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. Quelle pointe vous aimez de vous être voilà. Juste. C'était pendant un stage. D'accord. Un stage de photo. Mm-hmm. Parce que du coup, on fait de la photo ensemble. Mm-hmm. Et là, j'ai fait. Hey. Ok. Non, moi, je t'ai attendu longtemps. Ouais, elle m'a attendu longtemps. Mm. Moi, j'étais déjà amoureuse de lui depuis longtemps. Oh, ouais. Et du coup, lui, il est venu bien après. Ok, c'est bien. Et vous êtes à moi, lui, depuis longtemps, vous m'avez dit. Ouais. Ouais. C'était quelle pointe que vous aimez? Beaucoup. Beaucoup. C'est directement. Ok. C'est un. Un coup de foudre. Pardon? Un coup de foudre. Un coup de foudre. C'est une expression française. Ouais, c'est ça. C'est direct, tu la vois. C'est direct. Cool. Ah, yes. Premier rencontré. Ah, peut-être. Oui, c'est enregistré direct. Oh, nice. Oh, yes. Avec les étoiles dans les yeux. Et vous. That. Moi c'était après. Après. C'était petit à petit en fait. C'était, d'accord, après elle, c'est vous qui aime. Ok, ok. Ok. Ah yes. Future, c'est quoi de votre vision pour être. Avoir un appart. Avant d'avoir un appart, ouais. Même appartement. Ouais, d'accord, ok, ok, ok. Super. Tu vois, Dylan et Capture, donc un petit appart, mais au moins on s'en sort. Oui, ça va. Comme ça, ouais, ouais tu viens. Ouais, ok. Allez, passez bonne journée. Merci. Vous êtes tous les deux de couple? Oui. Ah oui. Ah oui, ah ok, c'est par hasard. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est possible de juste 2-3 questionner pour vous? Oui, bien sûr. C'est possible. Bien sûr. Ah, merci. Bien sûr. Comment vous avez rencontré? Oh, là, là. Ouais, c'est. C'était pendant la Fashion Week. Ah, Fashion Week? Ouais, pendant la Fashion Week ouais. L'année dernière, non? La même période à peu près. Ok. C'était en septembre, fin septembre. Ouais. Et en gros, je passais avec un ami. Mm-hmm. On allait à un défilé. Mm-hmm. Et du coup, elle faisait des photos. Ouais. Ça nous a arrêtés. Ouais. Elle a dit, excusez-moi, est-ce que je peux prendre la photo? Ouais. On a dit oui. Mm-hmm. Et après ça, bah, on s'est séparés. Chacun est parti. Bah, lui est parti au défilé et moi, je suis partie prendre des photos. Oui. Et après ça, bah, finalement, vu que j'avais donné mon Instagram bah, pour lui envoyer les photos, okay. Ah, oui, oui. Bah, le soir même, il m'a envoyé un message. Okay. Et ensuite, on est parti boire ensemble. Et, okay. Ah, ok, super. Super, super. Au Japon, quand le couple était couple, avant le couple, on discutait, on décidait de
être couple partie d'aujourd'hui par exemple. Ouais, c'est, bah comme, oui. C'est comme ça, il n'y a pas comme ça de règles précisément en France. Il n'y a pas vraiment de comme ça de règles comme au Japon. Ça dépend. En fait ça dépend. Ça dépend. Ouais. Nous ça s'est fait au feeling. Oui. Bah, avec le temps un petit peu. Ouais. Mais finalement, bah, moi je voulais que ce soit clair. Ouais. Et lui aussi, et ouais. Du coup, bah, il a posé la question. Ah oui. Il fallait répondre par oui ou par non. Ah coup. Ok. Ah c'est vrai. Et on sait que parfois, ouais, ça se fait naturellement à force de voir les gens tous les jours, tous mm-hmm. les mois. Mm-hmm. Et en fait, on finit par être ensemble sans s'en rendre compte. Ah ok. Ah il y en a d'autres. Il y en a ouais. Case by case. Il y en a deux. Il y en a, ça se fait sans se le dire, toi. Ah ok. D'accord. Ah ça, voilà. Je savais pas ça. Non, ça dépend des personnes, des couples. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire quel point vous aimez entre tous les deux? Ouais. Un point. Ouais. Attends. Je t'écoute. Moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est têtue. Genre, ça veut dire qu'elle a une idée, elle fonce et elle réfléchit pas. Ah. Ça, c'est ce que j'aime bien. Genre, d'accord. Quand elle veut quelque chose, mm-hmm. elle bosse pour l'avoir. Ok, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Okay. Ouais. Et vous? Moi, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est qu'il est gentil. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a une belle âme. Oui, ça se voit. Il a une âme comme un enfant. C'est ça que j'aime le plus. Ah. Ah ouais, c'est... Mais lui, il a une âme d'enfant. D'accord. Il est très concentré, mais il est gentil. Ah ok, d'accord. C'est comme ça le point. Ouais, je le prends comme ça. Ah ouais. Je suis quelqu'un de très mature, tu vois, quand il faut bosser, je suis là. Mm-hmm. Après, je suis un enfant, tu vois, genre, j'aime bien embêter, j'aime bien rigoler. Ah, c'est important, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important, bah, j'ai ça aussi. Hein. On a besoin de... Parce qu'on n'a qu'une vie, tu vois, faut savoir s'amuser. Mm-hmm. Moi, toi, être sérieux. Voilà, c'est ça. Voilà, quoi. C'est ça. C'est un voilà, c'est. Des fois c'est sérieux, des fois c'est amusant. C'est ça. Comme ça. C'est ça. Dernière question. Okay. Après le futur de être les deux, c'est quoi de pour toi le rêve pour les deux? Notre rêve? Ouais. Franchement, le but. Ce serait de voyager de fou. ouais. Franchement, voir. Tout le monde ensemble. Ouais, pas qu'une fois, tu vois. Vraiment. Mmh. Aller partout. Sur des coups de tête comme ça, on se ouais. dit, viens, on va à Bali. Après, on dit, viens, on va au Japon. Ouais. Viens, on va en Corée, tu vois. Ouais, vas-y, viens venir au Japon. Ah, oh, vas-y, allez, viens, je t'appelle. Ouais, ouais. Ok, vas-y, on va chez nos instants. Ok, n'inquiète pas. Ça ok, marche. T'inquiète. Ah, merci beaucoup. Bah, de rien, c'est un gros plaisir. Ouais, merci. Ouais. Bonne journée. Bye, moi. Ciao. Bisous. Bonjour. Salut. Et vous êtes couple? Oui. C'est ça? Ah ok, ça se voit. Ça se voit. Du coup, vous êtes le couple depuis combien de temps? 5 ans. Ah, 5 ans? Ouais. Ah, déjà 5 ans? Oh, ok. Ouais, comment vous avez rencontré dans la vie? Vas-y. Bah, on a bossé à McDo ensemble quand on était plus jeunes. Oui. Voilà, on a travaillé à McDonald's. Et, oui. Ah oui? Et moi, je l'ai... Ouais. Ok. Je l'ai un peu dragué. Et on a été ensemble une première fois. Ouais. Après, on s'est séparés. Oui. Et on s'est remis ensemble. Ok. Et là, ça fait ça. D'accord. Puis, ouais. Ah, donc il y a de longues histoires dans la vie. Ouais, vie. Là, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Et quand vous travaillez au McDo. Ouais. Vous êtes chief, vous êtes senior de McDo ou pas? Non, on n'est plus à McDo. C'était après longtemps McDo. C'était, on mais était c'est jeunes. Là-bas où on okay. s'est rencontrés. Ok, ouais. Ok. Même niveau, comme c'est pas le chef, c'est vous qui chef. Non, même niveau. Ah, même collègue. Ouais, même niveau. C'est même elle qui m'a formé au début à McDonald's. Ah oui? Ouais. Ok. Je suis arrivé après elle, donc c'est elle qui m'a expliqué comment on faisait. Ah d'accord, ok. On dit c'est comme elle, senpai. Oui, c'est ça, c'était bien. Ah, vous connaissez Senpai? C'était Sensei. Ouais? Une Sensei? Sensei. Ouais. Voilà. Ah, vous connaissez la langue japonaise un peu? Un petit peu, ouais, on connaît un peu. On a mangé des pâtisseries japonaises. Oui. On a mangé des burgers fusion japonais. Burger. Fusion ouais. japonais? Ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de fusion food en France. Ouais, fusion food, là, on a mangé les burgers et on a mangé la pâtisserie. Et avec les pâtes de haricots rouges. Ah oui? Ouais. Ok. Les machines. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est dorayaki. Ouais. Ah, ouais. Ah super. Ouais, très bon. Avec des petits pancakes. Oui, ça, oui. Tu vois, tu connais? Oui, vous connaissez? Je connais, moi j'ai mangé avec le TVA. Ah oui. TVA ouais. Comme ça, ouais. Comme d'habitude au Japon. Ouais. Ça coûtait pas cher au Japon. Ah ouais, voilà, c'était un peu... Sans même pas de 1 euro.
au Japon. Ah, oui. Ah, oui. Moi, c'était un peu plus cher là, mais c'était, ouais. C'était pour le plaisir aussi. Quoi. Et du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et pas beaucoup de personnes qui peuvent dire qu'on peut me rencontrer comme moi. Mm-hmm. Quelle pointe vous aimez pour elle? Comment moi je l'aime? Ça, elle, c'est quelle pointe? Ah ouais. Ça. Bah, j'ai vu en premier. Bah déjà, elle est belle, tu vois. Oui. Et puis ensuite, c'était la force de caractère. Ah, ok. Ouais, caractère fort, moi, je, mm-hmm. tout de suite, j'ai bien aimé. Ok. Ouais. Ok, ouais, ok. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Mm-hmm. C'est la raison un peu. Et puis après, bah, en se découvrant, tu trouves des affinités. Ok, ouais. Ok. Mais la base, c'est ça, ouais. Le caractère. Caractère, ouais. Ouais. Ah, c'est important, ta caractère. Ouais, femme de ouais, caractère. Ouais, ouais, ouais. Okay. Pas trop princesse, pas trop, tu vois, ah, oui, trop oui. gentille. Ouais, trop, c'est... Voilà. Ah oui, j'ai compris. Ouais. Je suis ouais. d'accord avec toi. c'est clair, on est d'accord. Et pour vous? Et ben, du coup, moi, c'est parce que, en fait, on s'entendait super bien. Et il a beaucoup de communication, il s'intéresse à beaucoup de choses, il a beaucoup de culture. Mm-hmm. Et c'était hyper intéressant, en fait, de parler avec lui. Tout le temps, dès qu'on parlait, pendant des heures et c'était trop bien. Mm-hmm. Et voilà. Du coup, moi, c'est vraiment le feeling, en fait. Après, il est pas moche non plus. Pardon. Il est pas moche non plus, mais... Au Japon, culturellement, notre culture, c'est le... Vraiment une décision, précisément. C'est comme feeling. Oui. Et si c'est passé deux ans, trois ans, ouais. comme ça, naturellement, être couple. Oui. Moi, je ne comprends pas ça, ma la tête, c'est comment le naturel. Comment c'est... tu fais ça naturellement? Oui, oui. Bah, je ne sais pas. En fait, tu vois, par exemple, la première fois, on a été en couple pendant un an. Mm-hmm. On ne l'a jamais vraiment dit qu'on était en couple. Okay. Tu vois, c'est, on s'invitait, on se voyait. Mm-hmm. Tu t'embrasses, tu as l'affection, tu as tout ça. Ok. Mais... je sais pas, la deuxième fois, on a peut-être un peu plus marqué le truc puisqu'on se remettait ensemble. Mm-hmm. Et là, on a un peu plus décidé de le dire clairement. C'est ça. Ah, ok, mais, après. En fait, ouais. je pense que c'est dans la façon dont tu montres aux autres. Oui. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, tu mm-hmm. sais que tu vas le présenter à ta famille, à tes amis, ah, de ouais. cette manière, et okay. que tu l'inclus dans ta famille et dans tes amis. Okay. Voilà. Moi, c'est ça la différence. Mm-hmm. Alors que la première fois, c'était peut-être un peu plus juste entre nous deux. Donc, on avait peut-être ouais. moins besoin d'être... Voilà. Tu vois, après, sur okay. une officialisation. Pour certains, ça va être l'exclusivité, tout simplement. Pour mm-hmm. certains, être en couple, c'est juste être que ensemble tous les deux, mm-hmm. Ne pas voir d'autres personnes. Pour eux, c'est déjà être en couple. Mm-hmm. Après, selon sa vision, moi, être en couple, c'est avoir des projets avec la personne. Ouais. C'est voir plus loin, se projeter avec. Ah, sinon, il n'y a ouais. pas de... Voir de future project. Ouais, voilà. Ah, ok. Ça. Habiter ensemble. Ah, ok, ouais, d'accord, ouais, ok. Ça va être la dernière question. Qu'est-ce que pour ton future? Que toutes les deux. Qu'est-ce qu'on prévoit pour notre futur? Oui. Ouais. Bah, logiquement, bah, on habite déjà ensemble. Donc, bah, à terme, ce serait ou changer d'endroit où on habite ou avoir mm-hmm. un enfant, je pense. Ah, ok, ouais, super. À terme. Ah, trop bien. À terme. Après, là, nous, on n'est pas pressé. On a le temps. On a le temps. Ouais. Et toujours. Mais je pense qu'à terme, c'est ouais, ce serait logique. Ok. Ouais. Ouais. Ah super. Ouais. Ah ouais, c'est trop ouais. bien en fait. Ouais, bah, tu on vois. Plus d'allier les fleurs. Ouais, c'est trop bien. Paris, romantique. Voilà. Ouais. C'est ça fait bien là, c'est le parc ici en fait. Ouais, c'est cool là. Ouais. Merci ouais. pour l'interview, pour me donner de positives informations du ouais. Japon. Ouais. Ils aiment bien la culture française aussi au Japon, non? Oui, c'est beaucoup, beaucoup. C'est assez francophile comme nous, voilà. entre le Japon et la voilà. France, il y a un truc qui se passe. Voilà. Je crois qu'on est, après vous, on est le premier pays qui achète des mangas dans le monde. Ouais. Il me semble. Hein. Ouais. Ouais, il me semble, je suis pas sûr, mais mm-hmm. j'avais entendu cette info. Ouais. Merci pour l'interview. Avec plaisir. Ouais. J'espère que votre future qui était à... Voilà, c'est... Je Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Oh, pas le fun, bonjour japonais. Merci. Ciao. Non, shindeinai. C'est pas moi. Okutonoken. Okutonoken. Ouais, voilà. C'est ça. Arigato. Bye. Bye.